Alors aujourd'hui, je vous présente les beaux die-cut de 49 and Market. Vous voyez ça beaucoup dernièrement, ces produits-là passés, il y a des beaux papiers. Pour chacune des collections, ils ont développé, il y a toutes sortes de die, il y a des paquets de die qui viennent dans les mêmes teintes. Donc, je voulais juste prendre le temps de vous les montrer parce que souvent, bien évidemment, dans une boutique, on ne peut pas ouvrir les emballages. Et je voulais vous montrer comment il y a des belles affaires là-dedans, ben, oui. Des belles dentelles, il y a des fleurs, il y a toutes sortes, il y a des cadres, il y a toutes sortes, il y a carrément des morceaux de papier là, qu'on peut mettre pour faire du, pour mater nos photos, etc. Fait que juste pour vous donner une idée, je voulais vous prendre le temps d'en ouvrir au moins deux paquets pour que vous voyez tout ce qui... Regardez cette page-ci, j'ai utilisé seulement des dies. Fait que ce qui est le fun avec ça, c'est que vous faites une page où toutes vos couleurs sont en harmonie. Vous ne pouvez pas vous tromper parce que ce sont toutes des couleurs. Ça, c'est ça. C'est ça. Les petites... ici, le cadre, c'est une espèce... On peut le prendre aussi pour faire une fenêtre, une porte. Les fleurs, les feuillages. Il y a vraiment de tout. Le petit papillon, le petit rond en dentelle. Ça, ici, c'est un papier aussi qui est dans le kit. Il y a des petits mots, des lettrages, des petits billets. Il y en a vraiment... Il y a vraiment de tout dans ces paquets-là. Fait que c'est tout simplement ça que je voulais prendre le temps de vous faire connaître. Merci. Merci. Merci.